C'est chaud. En Draman Ouattara et Poupou, famille, je vais vous expliquer en détail. Vous savez tous que Draman Ouattara est le bras droit d'Emmanuel Macron en Afrique. Et aujourd'hui, vous savez tous que entre Macron et puis Poutine, là, ça ne va pas. Mais il ne s'agit pas de cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses en Afrique. Et les médias russes et aussi les dirigeants russes, cela est rentré dans leurs oreilles, surtout l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire. Je vous explique, famille. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous dire que la Russie, là, ils n'ont qu'une parole. Et pour cela, nous allons écouter l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire. Et après son intervention, famille, nous allons rentrer dans les détails. On va vous expliquer ce qui se passe. C'est parti, famille. Chers amis africains, je vous adresse à partir d'Abidjan mes félicitations à l'occasion de la Journée de l'Afrique qui symbolise la victoire des peuples du continent sur le colonialisme. La Russie a fermement soutenu la cause de libération de l'Afrique, a salué la création par 32 pays africains le 25 mai 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine et des pays développe des relations d'amitié et de coopération avec des pays africains sur la base des qualités et de respect mutuel. Je suis convaincu que le deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg va marquer le pas dans la voie de raffermissement des liens d'amitié avec les pays africains au nom de la sécurité internationale et la coopération gagnant-gagnant pour le bien-être de tous les peuples du continent. Je vous souhaite, chers amis africains, bonne santé, prospérité et bien-être. Bonne fête à vous de la Journée de l'Afrique. Meilleur Afrique chinois. Famille, vous savez tous que la Russie a subi beaucoup d'injustices. Et aujourd'hui, lorsque la Russie voit aujourd'hui l'Afrique comme ça, la Russie a mal de voir les pays africains aujourd'hui subir le néocolonialisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous savez tous avec moi que Alassane Ouattara, on va étaler son dossier d'abord de comment il a traité Vladimir Poutine et la Russie. Selon un audio qui traîne aujourd'hui sur la toile, même si les gens avaient parlé de l'authenticité de cet audio, et après, on n'a plus eu de résultats. Mais on sait tous que, voilà, c'est ce qu'est ça. Maintenant, l'audio est toujours sur la toile et cela n'a pas été démenti. Bon. Même si Ouattara a dit, ouais, que je n'ai pas encore écouté l'audio, voilà. Il n'a pas démenti, il a simplement dit qu'il n'a pas encore écouté. Et puis après, on n'a pas vu de vidéo sur la toile. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de vidéo sur la toile où Alassane Ouattara est en train de démentir les dits de cet audio-là. Dans l'audio, il disait que la Russie ne représentait rien dans le commerce mondial. Lorsque Boubou, l'ancien ministre malien, parlait avec Alassane Ouattara s'est mis à critiquer Vladimir Poutine et la Russie parce que la Russie avait décidé d'aider le Mali à se libérer de ses chaînes de colonisation et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara a dit que la Russie ne représentait rien sur l'échiquier du commerce mondial. Il a également dit que la Russie ne pouvait rien apporter au Mali. Il a dit également que la Russie de la troisième place sont tombées à la onzième place sur le plan commercial. Sur le plan économique, sur le plan économique, ils sont tombés à la onzième place. Il a également dit que la Corée du Nord ou le Canada pesaient plus que la Russie. Et il a ajouté en disant que la Russie donnait des vieilles armes au Mali pour combattre les terroristes et que cela n'allait rien apporter. Et il a attaqué, il a attaqué. Mes chers frères, nous allons rentrer maintenant en profondeur pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui entre Poupou et Ouattara, ATC, on va aller en profondeur. Vous savez tous que le 25 février 2023, le PPACI avait tenu un meeting. Et lors de ce meeting-là, bon, dès avant d'arriver sur ce meeting-là, on a vu en Côte d'Ivoire un jeune homme qui était sur un vélo avec le drapeau russe sur son dos, se balader dans la Côte d'Ivoire. Et le signal a été lancé par le RDR à la recherche de cette personne-là. Malheureusement, ils l'ont pas retrouvé. Mais ceux du PPACI, lors du meeting du PPACI, eux, Ouattara les a montré quelque chose. Le 25 février 2023, quatre jeunes arborant le drapeau russe lors d'un meeting du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, dans la commune de Yopougon, ont été interpellés et écroués à la maison d'arrêt et correction d'Abidjan, Maka. Jusqu'à ce jour, aucune information judiciaire n'est disponible.
sur cette affaire au moment où 26 militants du PPACI condamnés à 2 ans de prison avec sursis, dit-on, pour trouble à l'ordre public ont recouvré la liberté. Selon une source proche du parti de Laurent Gbagbo, les jeunes partisans de Moscou auraient été libérés dans la nuit du mercredi 22 mars 2023. Nous avons pu joindre les familles de certains qui ont confirmé l'information. Nous en saurons plus les jours à venir, certainement, indique une source crédible du PPACI. Vous savez, des jeunes, lors d'un meeting du PPACI, des jeunes Ivoiriens se sont permis de mettre le drapeau de la Russie sur leur corps pour aller au meeting. Et lorsqu'ils sont allés avec le drapeau de la Russie, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et jetés à la maca parce qu'ils avaient juste porté le drapeau de la Russie. Et cette information est remontée jusqu'en Russie. Selon certaines informations, le drapeau russe sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, là, il y a toujours le drapeau russe qui est accroché là-bas. Jusqu'à présent, selon certaines informations, ça n'a pas encore fait descendu le drapeau russe qui est accroché sur l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Et ce que nous ne comprenons pas, Alassane Ouattara a arrêté 4 jeunes parce qu'ils ont emporté le drapeau de la Russie. Quels sont les reproches? On dit que, bon, ça serait un truc de... Encore même truc là, hein, trouble à l'ordre public et ils n'ont pas le droit. C'est comme si la Russie représentait du terrorisme en Afrique. Donc, quand tu portes... C'est comme au temps de Kekivara, lorsque tu portais son t-shirt, on pouvait t'arrêter et te jeter en prison. C'est pareil, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu portes le drapeau russe, on peut t'arrêter et te jeter en prison parce que tu as porté le drapeau russe. Et c'est ce qui est arrivé avec ces jeunes-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Famille, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara a décidé aujourd'hui de faire face à la Russie et de regarder la Russie dans les yeux et de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire. En faisant ce geste, en arrêtant des jeunes du PPACI portant le drapeau russe sur leur corps et en les ramenant, en les enfermant. C'est comme si Alassane Ouattara défiait la Russie et la Russie n'a pas du tout apprécié ce geste-là. Ce qui s'est passé avec l'audio, je crois que ça n'a pas trop piqué en Russie, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe là, avec cette information qui est remontée jusqu'en Russie, parce que 4 jeunes plutôt, ont porté le drapeau de la Russie, se sont retrouvés en prison en Côte d'Ivoire, pendant que l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire porte toujours le drapeau de la Russie en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devrait aller faire descendre le drapeau de la Russie sur le bâtiment. Voilà, il devait aller peut-être descendre ce drapeau-là. Enfin, de faire comprendre à la Russie que oui, ici, c'est Macron, c'est la France. Parce que nous avons vu ici, à plusieurs reprises, même dans les défilés, on a vu le drapeau de la France. Même dans plusieurs choses, on a vu le drapeau de la France circuler. Même pendant les jets de lumière, on a vu que le drapeau de la France était représenté. Voilà, cela ne dérange pas Alassane Ouattara. Mais lorsque quelqu'un utilise le drapeau de la Russie en Côte d'Ivoire, cette personne est automatiquement arrêtée et jetée en prison. Cela lance un message fort à la Russie pour dire à la Russie que la Russie n'est pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Alors, que pense l'ambassadeur de la Russie? L'ambassadeur de la Russie dit que ils sont prêts à aider tous les pays qui ont besoin de liberté. Ils sont prêts à les accompagner. Et puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de liberté, nous ne faisons que solliciter l'aide de l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, qui aussi l'ambassadeur du Burkina Faso, de Russie au Burkina Faso. Nous sollicitons son aide parce que nous savons tous, hein, ce qui se passe. Chacun sur ses gardes parce qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire sait très bien ce qui se passe. Et si l'information est remontée jusqu'en Russie, on sait très bien que d'abord, avant que ça remonte jusqu'en Russie, il faudrait que ça passe par l'ambassade de Côte d'Ivoire, par l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire publie toujours les déclarations, les informations de Vladimir Poutine sur les pages. Oui, lorsque Vladimir Poutine sort pour faire un discours, une déclaration ou interview, il partage. Donc, ils suivent très bien l'évolution de la politique que mène aujourd'hui Vladimir Poutine de près et ils savent ce qui se passe. Maintenant, en Côte d'Ivoire, que risque Ouattara pour avoir défié, pour avoir marché, pour avoir emprisonné le drapeau russe? Est-ce que les Russes sont interdits en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Mais pourquoi le drapeau russe est interdit? Parce que je peux comprendre que lorsque tu arrives à l'ambassade de Russie en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu es en Russie. Donc si le drapeau russe est là, on peut essayer de comprendre. Mais lorsque le drapeau russe sort de l'ambassade pour aller traverser la ville de Côte d'Ivoire, il n'est pas la bienvenue, on peut l'arrêter et puis le jeter en prison. Donc on peut aussi dire que, est-ce que les Russes aussi ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Donc aujourd'hui, on doit se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alassane Ouattara est contre Vladimir Poutine et la Russie?
Pourquoi Alassane Ouattara déteste la Russie? Parce que nous savons que dans le passé, Alassane Ouattara avait glorifié Poutine. Il avait dit que Poutine était le meilleur, que c'est lui qui pouvait apporter la paix en Afrique et dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pourquoi Ouattara a changé de bouche? Pourquoi aujourd'hui Ouattara voit Vladimir Poutine en diable? Pourquoi il voit la Russie en diable? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Chers frères, sachez une chose. Le monde est divisé en deux parties aujourd'hui. Il y a le camp occidental et le camp de la Russie avec ses camarades. Donc, quels sont ceux aujourd'hui qui soutiennent la Russie? Nous savons que la plupart, on peut dire même 80% de la jeunesse africaine aujourd'hui sont d'accord avec la Russie. Ils aiment la Russie parce que la Russie a aidé le Mali à sortir de cette histoire-là. Et si vous avez écouté le discours d'Ibrahim Traoré la dernière fois, Ibrahim Traoré disait que les gens refusaient de leur donner des armes pour combattre les terroristes. Les gens les avaient promis de l'argent, mais ils n'ont jamais donné cet argent-là. Et lorsqu'on suit aussi une chose, Assimi Goïta qui disait aussi que ces personnes-là les mentaient. Lorsqu'ils partaient combattre les terroristes, on leur donnait les fausses positions et puis les terroristes venaient tomber sur eux pour les tuer, qu'il a perdu beaucoup de camarades dans cette histoire. Mais depuis qu'ils ont changé de partenaire, hier, Ibrahim Traoré disait que depuis qu'on a changé de partenaire, on reçoit beaucoup d'armes. Et nous savons tous de qui il veut parler, même si les Burkinabés n'affirment pas, on sait qui est derrière, qui les apporte des armes, on sait qui a donné cette puissance-là aujourd'hui à Ibrahim Traoré. On sait pourquoi Ibrahim Traoré, en tant qu'un jeune, défie aujourd'hui cette pression qui est sur le Burkina Faso. Et aussi, on peut parler aussi du Mali. On sait que le Mali aujourd'hui, c'est grâce à la Russie que le Mali a décidé de défier la France. Donc, chers frères, même lorsqu'on a vu, lorsque Assimi Goïta a défié Alassane Ouattara qui se croyait au-dessus de tout, il a pu vaincre Alassane Ouattara à son propre jeu. Donc, famille, c'était votre camarade, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. N'oubliez pas de pousser le bleu. Famille, n'oubliez pas de pousser le bleu. N'oubliez pas de pousser le bleu, de vous abonner et de rester connecté sur la page parce qu'on va toujours vous informer. Et nous allons suivre cette histoire. Nous allons suivre cette histoire de près. Qu'est-ce qui se passe entre Poupou et Ouattara? On va suivre ça de près. Et à chaque fois, on va vous donner des informations. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'information où le drapeau russe a été emprisonné en Côte d'Ivoire, cette information est montée jusqu'en Russie. Et il ne faudrait pas qu'Alassane Ouattara s'étonne lorsqu'il y aura des réponses fermes à son encontre. On est ensemble, famille.